Bonjour, mon nom est Marc Morin, conseiller municipal à la ville de Victoriaville et président de Victoriaville en santé. Le conseil municipal et toute la population de Victoriaville et la région vous soutiennent dans l'épreuve que vous vivez, vous, Mme Colette Roy-Laroche et la population de Lac-Mégantic. Au cours des prochaines minutes, vous entendrez des gens de Victoriaville vous témoigner du respect et de l'estime envers la population de Lac-Mégantic, une population qui a su retrousser ses manches et qui nous inspire. Bravo pour votre courage et merci, Madame la mairesse, d'être présente avec nous ce soir à Victoriaville au 25e colloque annuel du Réseau des villes et villages en santé. Pour terminer, j'aimerais vous transmettre ce beau message d'espoir que symbolise cette lumière. Bonjour, mon nom c'est Yvon Poudrier. Je vous parle en tant que bénévole du Festival de la paix de Victoriaville. Et Mme Roy-Laroche, j'ai un message pour vous. Écoutez, j'ai entre les mains ce qu'il faut pour représenter l'espoir, la lumière. On est très conscient que les gens là-bas vivent ou ont vécu des traumatismes, mais soyez assurés qu'on est de tout cœur. Et dans ce geste, on veut vous dire que le 4 octobre prochain, on est une quinzaine de coureurs passionnés, dont entre autres le maire Alain Rayos participera à cette course de 120 km de Victoriaville à Lac-Mégantic. Donc, on veut vous offrir un geste de solidarité et bon courage. Et on sait que là-bas, c'est la volonté dans l'action. Au revoir. Un beau bonjour au Lac-Mégantic des gens du Boisé de Victoriaville. Je vous présente ma classe de secondaire 1 en art de la scène et on vous a préparé un petit quelque chose. Allez-y, les filles! Merci à Madame Roy-Laroche pour son courage. Nous pensons à vous en cette rentrée scolaire et aux artistes du Lac-Mégantic. Vous? Oui, vous. Vous avez le pouvoir de faire du bien à l'âme et de mettre des mots sur l'émotion. On vous envoie de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. L'amour! Bonjour, mon nom est Pierre James, propriétaire du Métroplus à Victoriaville. Au nom des gens d'affaires de la région et des employés, nous tenons à souligner l'admiration pour la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Roy-Laroche, dans son travail lors de cette grosse catastrophe. Nous incitons aussi les gens de la région, les commerçants, à suivre la même trace que Mme Roy-Laroche pour permettre aux gens de cette région de retrouver leurs habitudes de vie. Encore une fois, bravo et bonne chance. En guise de lueur d'espoir, à toutes les gens de Lac-Mégantic, à tous les employés de Lac-Mégantic, nous vous offrons cette lueur d'espoir. Madame Colette, nous, les aînés des Jardins du Parc, nous voulons vous exprimer toute notre admiration pour la façon dont vous avez géré, mais surtout accompagné la population de Lac-Mégantic lors de la grande tragédie. Nous vous avons suivi au jour le jour dans votre travail de support et d'écoute de chacun. Nous vous sentions préoccupés par le vécu de vos citoyens, ce qui fait que vous avez trouvé tous les services adéquats pour survivre à une telle épreuve. À Mme Laroche-Roy, à toute la population, nous vous envoyons des pensées d'amitié et nos prières vous accompagnent. Nous vous souhaitons bon courage pour la reconstruction de cette belle ville qui doit renaître de ses cendres. On vous aime! Madame Roy-Laroche, nous sommes ici ce matin de la Maison des familles des Bois-Francs, au nom de Parents Ressources et au nom de toutes les familles de Victoriaville. Nous reconnaissons votre force, votre courage et votre détermination dans cette épreuve. Nous sommes de tout cœur avec les familles de Lac-Mégantic. Nous sommes de tout cœur avec vous! Je vous aime! Bonjour, nous sommes le groupe Solidarité Jeunesse de l'École secondaire Le Boisé et nous nous impliquons dans notre communauté. Madame la mairesse, durant tout l'été, nous avons entendu parler de votre tragédie.
On a vu des tonnes d'images nous ébranlant un peu plus à chaque fois. On est marqués. Alors, nous aimerions passer du bon temps avec vous, apprendre à vous connaître. Madame la mairesse, nous vous invitons avec une classe de secondaire 4 ou secondaire 5, le 10 mars, à passer une journée remplie d'activités, dont un repas à la cabane à sucre. Nous assumerons les coûts de la journée, incluant le transport et le dîner. Si vous acceptez, notre mère, M. Alain Rayas, y sera. En espérant que le dîner vous plaira. Le groupe Solidarité Jeunesse! Dear Madame Roy Laroche, here at Vision School Victoriaville, we would like to say that determination, patience, and courage are the only things needed to improve any situation. You have shown all these values. Chère Madame Roy Laroche, nous tenions à vous dire que vous êtes un exemple de positivisme, de force et de courage. Comme avec un cœur de grand-mère, vous prenez soin de tout le monde dans votre communauté. Et c'est tout à votre honneur. Bravo! Chers élèves du lac Mégantic, en cette rentrée scolaire, nous vous envoyons plein d'ondes positives et nos plus beaux sourires pour ensoleiller vos journées. Nous vous offrons ce crayon vert pour que vous gardiez espoir et que vous puissiez dessiner une nouvelle page de votre histoire. Les queremos mucho. Y les enviamos un montón de energía positiva y de mucho coraje. ¡Oui!